Bonjour, aujourd'hui chez Schecter dans les Diamond Series, la Zaki Vengeance 6661 signature. Voilà, donc une double cut plutôt sympa, assez légère, en acajou, tout acajou, avec touche palissandre, qui a été agrémentée de tas de petites choses très sympas, comme le nombre ici est forcément 6661. Les rings de micro avec des crânes partout. Les repères de touche, donc à la 12e case, on retrouve son couteau à cran d'arrêt, qui est son emblème Azaki Vengeance. Voilà, et puis des repères en trois parties assez sympas, Balon et Mother of Pearl. Voilà, un crâne tête de mort là, sur la tête, donc vous voyez, la guitare est bien lookée. Alors après ça, on a un accastillage qui est comme s'il était usagé, hein, donc chrome usagé, on va dire. Mais c'est quand même du Tone Pro ici, donc à blocage, gage de stabilité dans les réglages. Et puis à l'autre bout, on a des grooveurs, donc avec des rotomatics avec un ratio de 18-1, ce qui fait que ce sont des mécaniques qui sont très douces à tourner et qui sont extrêmement précises. Voilà, la dotation micro maintenant. Bah, on a deux Seymour Duncan Custom JB, hein, donc, qui peuvent en plus se splitter, ce qui fait qu'on a donc six sons de base sur cette guitare. Soit on est en humbucker et on a donc un aigu milieu grave, soit on est splitté avec les mêmes trois positions, mais avec les deux humbuckers splittés en simple. Et en avant, pour les sons clairs, on commence par le micro grave position manche. On parcourt les positions, ensuite je splitterai, voilà. Son crunch maintenant. We'll be right back.
et en avant pour les sons saturés. Avec cette Zaki Vengeance, 6661 signatures, Schecter signe encore une guitare au rapport qualité-prix très intéressant, une guitare qui défouraille bien et sur laquelle on se sent bien. Et sur ce, je vous salue bien.